Requiem, leader. On est à la zone d'atterrissage. En avant, tout le monde. Inspectez le site. Neutralisez les ennemis. Nous y sommes. L'épicentre. Des portes dimensionnelles qui s'ouvrent partout dans le monde. J'aurais dû me douter qu'on en trouverait l'origine dans une expérience nazie ratée. Ce serait pas la première fois, n'est-ce pas, Major Carver? À tous, l'entrée du complexe doit se trouver un peu plus loin. Hey, ouvrez l'œil. D'après les capteurs, nous ne sommes certainement pas seuls ici. Du matériel du groupe Omega partout, des cadavres ambulants sur tout le site. Pas besoin d'une boule de cristal pour savoir qu'on est dans un sacré merdier. Les nazis ont perdu le contrôle de l'expérience en 45. Les soviétiques pensaient vraiment qu'ils allaient faire mieux. Il faut qu'on rétablisse le courant. Équipe d'intervention, au rapport. Qu'est-ce qui vient de se passer? Les données suggèrent qu'ils se sont rendus dans l'autre dimension. On dirait que notre équipe d'intervention est un peu morceau. Vous savez ce que c'est? Je dirais que ça vient de notre monde, et du projet Terminus. Une sorte de scanner interdimensionnel. Jour de chance, équipe d'intervention. Nous avons de nouveaux ordres du directeur. Nous allons fermer la brèche dimensionnelle pour tenter de contenir l'épidémie. Des idées? Je propose qu'on désactive le cyclotron. Si on veut avoir une chance de stopper l'infection, on doit couper la connexion dimensionnelle. Anomalie détectée. Traitement en... Les améliorations sont faites. Nous sommes prêts pour le test. Mais j'ai refait des calculs. Eh oui, vous inquiétez toujours, on reste. Si la barrière dimensionnelle reste ouverte aussi longtemps, tous les systèmes du cyclotron passeront en marche. Je ne peux pas promettre que la machine tiendra. Kurt, si vous prêtez un peu attention à votre porte, devons agir maintenant, avant que l'armée rouge arrive. Ou bien tout cela sera peine perdue. Bien sûr, bien sûr. Je tiens simplement à ce que tout le monde soit prévenu.
possible. Mais si on peut renverser le cours de la guerre, tout risque est bon à prendre. Anomalie détectée. Traitement en cours. Allô ? Merde ! Les monstres, ils sont partout ! Je suis encerclé ! Mes hommes, ils sont tous morts ! Il ne reste plus que moi ! Le Terminus est tombé ! Ce scientifique, il savait quelque chose. D'abord, il fuit pendant le transport, ensuite les radiations, et puis les morts vivants partout. Connard, l'ordure. Il avait tout compris. Il nous a laissé mourir. Respire, Walter. Ça va aller. Il faut renvoyer des renforts, c'est obligé. Alors, en attendant, je vais... Me cacher. Oui, voilà, c'est ça. Je vais me cacher. Et puis attendre. Équipe d'intervention, le compteur GGR s'affole. Je sais pas ce qu'il y a, mais c'est énorme. Et ça vient dans votre direction. Divisez scindé en deux. Divisez pour mieux régner, comme on dit. Anomalie détectée. Anomalie détectée. Anomalie détectée. Traitement en cours. Ulrich Vogel, direction du projet Terminus. Le docteur Kurtz et moi-même continuons à étudier les hommes transformés de façon terrifiante par l'incident du cyclotron. Nous avons confirmé qu'un élément inconnu a contaminé leur corps, nécrosant la chair et interrompant les fonctions métaboliques de base, tout en maintenant une apparence de vie dans le corps des sujets. Nous espérons pouvoir modifier un nettoyeur de radiation pour soigner ces pauvres gens. Mais ils ne vont pas se laisser faire. Il va donc nous falloir une chambre spéciale, ce qui risque de prendre un certain temps. Anomalie détectée. Traitement en cours. Vogel, 3 avril 1944. Après un grand nombre d'essais infructueux, la chambre de décontamination est enfin terminée. Kurtz l'a malheureusement appelé Der Wechsler. Et j'ai bien peur que le surnom ne soit resté. Je tiens à être clair. Nous ne cherchons pas à modifier ces hommes, mais bien à les guérir. Et les premiers résultats sont... encourageant. En partie, une fois la contamination exo-élémentaire retirée de leur cerveau, les fonctions cognitives s'améliorent et les accès de rage se réduisent. Mais ces hommes sont loin d'être tirés d'affaire. Les tests médicaux vont continuer. Scan en cours pour le diviseur corporel à décompression. Signal DCD détecté. Signal DCD perdu.
signal DCD détecté. Lancement de l'activation à distance. Stockage système. Pour vous exfiltrer, équipe d'intervention. Appelez si vous devez partir. J'ai explosé l'ennemi infecté. Anomalie détectée. Traitement en cours. Docteur Ulrich Vogel, 22 août 1944. Il a fallu cette défaite en Normandie pour obtenir l'attention du Führer. Mais il s'est enfin décidé à militariser les découvertes du projet Terminus. Cette idée m'est venue à l'instant même où j'ai conçu Der Vexler. Si nous parvenons à restaurer l'esprit de nos soldats nécrosés, ne serait-ce que pour obéir à quelques ordres simples, nous pourrons lâcher une armée de morts-vivants sur les deux fronts. Imaginez un peu si tous les courageux Allemands tombés au combat se relevaient pour protéger la mère patrie. Je veux déjà voir l'ennemi pris de terreur face à des hommes insensibles à la mort. Sur cette caisse. Trouvez ce qui y rentre, et la boîte devrait s'ouvrir. Des munitions utilisées.
très intéressé. Ces chaînes nous barrent la route. Trouvez un moyen de les briser. Code C. Objectif bien à eux. Leur département pense qu'ils ont peut-être découvert quelque chose susceptible de renverser le cours de la guerre froide. La seule chose dont je suis sûre, c'est qu'ils ont allumé la mort. L'opération terrestre. Anomalie détectée. Traitement en cours. J'arrive toujours pas à croire que cet imbécile d'Allemand ait tenté de s'infiltrer. Je pensais que les scientifiques étaient intelligents. Bon, c'est pas comme si les gens de Poznan allaient le mettre à l'abri. Je me demande ce qu'il voulait. Tu crois qu'il serait revenu pour l'or? C'est une question pour le colonel Lazareff. Souviens-toi juste bien de l'arbre, ok? Reste là bien sagement. Tonton Vadim et tonton Alexei viendront te chercher dès que Berlin sera en flammes. Anomalie détectée. Traitement en cours. Vous êtes bien sûr que personne ne vous a vu descendre? Lazarev et ses hommes sont partis à Poznan. Assurez-vous que personne d'autre n'approche. Faites-moi confiance. Personne ne sait que nous sommes venus nous servir dans... Vous savez parfaitement de quoi il s'agit. De l'or. Assez pour que nous puissions chacun acheter une jolie datcha dans la campagne. Je ne sais pas pourquoi il leur fallait de l'or pour un gros aquarium, mais... moi, nous n'aurons pas de mal à en sortir. C'est pas un aquarium, Kalachnik. On dirait plutôt une chambre à gaz. Salut, nazi. Cet endroit empeste la mort, Dimitriev. L'odeur va passer et nous, on sera encore riches. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais le groupe Omega s'y préparait depuis longtemps. Ce qui veut dire que les Soviétiques ont une large avance sur nous, et ça me plaît pas du tout. Moi non plus. Les Russes savaient forcément qu'ils allaient nous tirer avec cette machine. Et ça les a pas arrêtés. Agent de décontamination identifié. Lancement de l'initialisation. Initialisation terminée. Der Wechsler est opérationnel. Sujet retenu. Bon, on a un large choix de sujets. Une idée. Équipe d'intervention.
dimension. Ramenez les suspects habituels. Sujet obtenu. En attente du deuxième sujet. Passez dans la salle d'observation pour démarrer la fonction principale. Lancement de la fonction principale. La décontamination est en cours. Imaginez, Docteur Meck, dans deux jours, nous bâtirons un nouvel avenir pour l'Union soviétique. Donc, j'en déduis que vous avez trouvé vos hommes ? J'ai trouvé deux volontaires pour la tâche. Et vous trouvez ça drôle ? Non, surtout ironique, à vrai dire. En 1945, l'armée rouge a proposé la vie d'un homme pour la neutraliser. 40 ans plus tard, des hommes se proposent pour la réactiver. C'est presque poétique. C'est comme une tradition entre soviétiques. Les traditions ne m'intéressent pas, Beck. Je m'intéresse seulement aux résultats. Si mes calculs sont exacts. Si vos calculs sont exacts, nous aurons immédiatement réussi là où ces salauds d'Audacia ont échoué. Et croyez-moi, ils sont exacts. Je l'espère. Le colonel a une sainte horreur des incapables. Anomalie détectée. Traitement en cours. Ma Sanya, ma petite Katia, je sais que vous ne pouvez pas, mais je vous implore. Donnez-moi la force. J'ai reçu mes ordres du groupe Omega. Je dois relancer cette machine infernale. Je n'ai pas le choix.
C'est mon devoir d'obéir. Une fois réactivé, je ne sais pas ce qui se passera. C'est une information à laquelle mon grade ne me donne pas accès. Mais avoir toutes les précautions prises par les autres, je ne dois pas me voiler la face. Je ne vous reverrai peut-être plus. J'espère que je me trompe. J'espère que rien ne changera. Que le monde restera tel qu'il est. Mais je crains fort d'ouvrir une porte qu'on ne pourra plus jamais refermer. Je vous reverrai, toutes les deux. Sur le sol, Requiem. Équipe d'intervention, faut qu'on y aille, dépêchez-vous.
Voici Raptor 1. Équipe d'intervention parée à l'extraction. William Leader, le site Alpha a explosé. Le complexe est détruit. Beau travail, équipe d'intervention. La brèche est fermée. Mais j'ai bien peur que le groupe Omega nous réserve d'autres surprises. I'm me.